Aujourd'hui, on est à Lorient avec Nicolas et c'est un jour férié, journée de congé, donc on va commencer par manger un hamburger au restaurant. On s'est levé un peu tard, là il est déjà 1h et on a très faim parce qu'on n'a pas pris de petit déjeuner. On est en centre-ville et je suis surpris parce que c'est très très calme. Donc les gens sont en week-end, ils sont sûrement partis visiter leur famille ou voir d'autres endroits en Bretagne. On va manger dans ce restaurant qui a ouvert récemment. On peut commander le menu au comptoir ou sur un écran. On peut sélectionner chaque plat, valider et payer. Voilà, on a reçu notre menu. Nicolas a pris un grand café. Moi, j'ai pris un cappuccino avec de la crème et un brownie. Et après, on a pris des hamburgers signature. On va se régaler. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé d'hamburger. Et bien sûr, les frites. Là, on va aller voir l'église de Lorient. Elle est vraiment unique. En fait, la ville a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a été reconstruite. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bâtiments plutôt moderne. Il y a très peu de bâtiments anciens. Et là, on va rentrer dans l'église pour voir l'intérieur. La ville de Lorient est très marquée par le passé et la guerre. Et là, on peut voir l'entrée d'un abri anti-atomique qui est un abri immense. Pour se réfugier au cas où il y aurait une attaque. Et là, les pigeons qui prennent le soleil. Ils ont l'air assez gentils. Ah, regardez, c'est très joli. L'intérieur. C'est assez unique, la décoration. Et il y a un truc très intéressant avec ce plafond. Écoutez. L'acoustique est très spéciale. Le plafond fait résonner le son. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Magnifique. Magnifique? C'est beau. Ouais. Béton armé. En béton armé. Par contre, l'architecture extérieure fait un peu grise, un peu triste, je trouve. Ah, regardez là-haut. L'orgue pour jouer de la musique. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette architecture moderne. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu triste? Marquez-moi ça en dessous. Et maintenant, on se dirige vers l'arrêt de bus pour aller à l'Armor Plage. Alors bien sûr, on est en France. Donc, il y a souvent des manifestations ou des grèves. Aujourd'hui, je crois que c'est une manifestation contre le nouveau régime de retraite. Voilà, on vient d'arriver sur la côte. Après 20 minutes de bus, c'est très joli. Il y a des nuages, mais il fait beau, il fait chaud. Il y a un peu de vent. Vous pouvez voir deux pêcheurs. Et je pense
que celui en bleu a attrapé quelque chose. C'est superbe. L'eau est turquoise, proche du sable. Et là, on va continuer de marcher sur le sentier. C'est le sentier qui longe la Bretagne, qui fait tout le long. Et en ville, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais là, sur le sentier, on peut voir que les gens adorent venir marcher le week-end et les jours fériés. Beaucoup de monde. Là, on marche sur le sentier des douaniers. Ça fait 2000 km. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on fera 2000 km. On va marcher jusqu'au petit village en face. On va aller visiter ce village. Et on va peut-être manger une glace ou boire un coup. Ici, on est à l'école de voile. Il y a des petits bateaux partout. Des petits bateaux à voile, des planches à voile. Et on va continuer à avancer sur notre chemin pour aller manger notre glace ou boire notre café. On verra ce qu'on trouve une fois arrivé au village. Regardez ça, c'est magnifique. Les enfants s'amusent sur la plage. C'est vraiment superbe. Dites-moi dans les commentaires si là où vous habitez, il y a une plage. Est-ce que vous allez souvent vous baigner? À cette saison, la nature est bien verte. Il y a beaucoup de petites fleurs. Tu viens souvent te promener sur la plage? Non, pas souvent, car c'est quand même un peu loin du centre-ville. Ouais. Et je n'ai plus de permis de conduire. Ah, tu as perdu ton permis de conduire? J'ai roulé trop vite, c'est pas bien. C'est pas bien. Mauvais garçon. Et qu'est-ce que tu penses de notre balade aujourd'hui? Ben, c'est agréable, il y a du soleil ce jour. Et toi, tu vis en Bretagne depuis longtemps? Je connais la Bretagne depuis tout petit, car j'ai mon grand-père qui était breton. D'accord. Parce que tu es originaire du sud de la France. Oui, je suis né dans le sud, mais j'ai de la famille en Bretagne. D'accord. Et tu comptes y rester longtemps? Alors, j'ai du mal à prévoir mon avenir. Mais en France, c'est ta région préférée? C'est une belle région, je trouve, parce que la nourriture est assez riche, mais excellente. Et la nature est magnifique. La nature est très jolie. Donc on va continuer notre balade sur le bord de mer. Ça fait du bien de respirer l'air frais de la mer. Et là, on arrive au village de l'Armor Plage. Les cafés sont bien placés, juste devant la plage. Moi j'ai pris un cappuccino et Nicolas, il a pris un café allongé. Le café était très bon et maintenant on visite le centre-ville. Le centre-ville est beaucoup plus calme. C'est très agréable pour se promener. Les maisons sont très jolies. L'église très ancienne, très ancienne, très belle. Superbe. Et là, on va prendre un bus pour retourner sur l'Orient. Ça, c'est une torpille avec les hélices derrière. Et maintenant, on va aller voir le sous-marin qui portait ces torpilles. Donc ici, c'est la base militaire de l'Orient.
Elle a été construite par les Allemands pendant l'occupation. Mais aujourd'hui, elle est utilisée comme musée et comme port de plaisance. Pour les bateaux de plaisance, mais aussi pour les bateaux de course. Et derrière moi, c'est la base faite par les Allemands pendant la guerre. Elle est vraiment immense. Et ici, l'autre bâtiment, c'est vraiment très très grand. Donc ici, on peut voir des bateaux de course. Je n'avais jamais vu de bateaux comme cela en vrai. Je les avais seulement vus à la télévision. C'est très impressionnant. Ils sont très légers et très fins, ce qui leur permet d'être très rapides. On dirait plus des avions que des bateaux. Je crois que les ingénieurs ont dû prendre beaucoup de plaisir à les dessiner. Dans cette région, il y a beaucoup de vent, donc c'est parfait pour les bateaux à voile. Celui-ci est très beau, j'aime bien les couleurs. Celui-ci est blanc et vert. C'est un vrai bateau de compétition. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez faire du bateau, si vous avez déjà fait du bateau. Je pense qu'avec ces bateaux, on peut aller en Amérique en très peu de temps. Je crois que le record est de 5 jours. Sur celui-ci, on peut voir des panneaux solaires. Ça permet au bateau d'être autonome en électricité. Celui-ci, c'est un bateau suisse financé par la marque Hublot. Hop. Noir et jaune. Très joli. Regardez toutes ces cordes. Une, deux, trois. Les cordes et les poulies avec. Il y en a un grand nombre pour tenir le mât. Les voiles. Regardez. Les toutes petites poulies ici.